Mais qu'est-ce que c'est que ce panneau? Suis-je bien au bon endroit? Et salut à tous, c'est le Spider Environné 2 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Minecraft. Donc voilà, donc l'épisode 3 ce sera pas un long épisode. Enfin, pas un long au niveau du temps, mais au niveau des constructions. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de constructions. Donc voilà, donc c'est l'épisode 3. Et voilà, donc pour la mini-intro, j'avais fait un mini-truc de 10 secondes. Après, j'avais fait une petite coupure. Donc voilà, donc j'ai cet immense panneau. Déjà, dommage qu'il pleuve, hein. Je suis désolé pour la pluie. Normalement, ça va s'arrêter dans pas longtemps. Voilà, désolé pour la pluie. Déjà, vous avez vu ce panneau? Il y a marqué Spider City, qui est le nom de ma ville. Et c'est ici, quoi. Ça, le Spider City commence là. Donc voilà, donc j'ai fait un immense panneau comme ça. Là, j'ai fait un camion. Là, un camion. J'ai marqué convoi exceptionnel avec la largeur. Parce que là-bas, enfin, derrière, il y a la largeur. Donc voilà, donc là, c'est une station-service. Je suis rentré par là-bas. C'est la station-service. Donc là, c'est le samplon ou 95 ou 98. Et là, je me suis trompé. Parce que je voulais faire gazole. Mais gazole, c'est la couleur jaune. C'est pas la couleur orange. Donc je me suis trompé. Donc on ressort par là. Et là, on atterrit à un pont. Le pont Welcome. Pourquoi Welcome? Parce que. Ben parce que déjà, Welcome, ça veut dire bienvenue en anglais. Donc ça veut dire bienvenue en anglais. C'est-à-dire le pont bienvenue. Mais vu que c'est le début de la ville, forcément, il faut faire. Ça fait genre bienvenue à la ville. Du coup, c'est pour ça, le pont Welcome. Le pont de bienvenue, quoi. Bienvenue à la ville parce que t'es à l'entrée. Alors, vous pouvez voir aussi que j'ai fait une évolution au niveau de l'immeuble. À l'épisode 2, j'avais fait que le rez-de-chaussée. Là, j'ai fait le premier étage. Et aussi, petite revue de l'épisode 2, j'avais fait évoluer cette route qui va jusqu'à là-bas. Et avec ces deux véhicules, un camping-car et une voiture de sport. Donc voilà, donc le bâtiment, j'ai essayé de faire des boîtes aux lettres là. Donc voilà. Et là, j'ai fait un petit balcon. J'ai un petit balcon, je sais pas, fait pour être tranquille. Voilà, pour observer les gens bouffer au McDo. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est un avantage quand même. Tu sais, là, tu vois les gens au calme bouffer leur Big Mac. D'accord. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je vous ai tout montré presque. Ah non, ce qu'il y aura à l'épisode 4. Parce que l'épisode 3, je vous l'ai pas dit parce que c'était une surprise. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de construction. L'épisode 4, ce sera cet endroit. Ce sera le parking du McDo. Donc voilà, ce sera le parking. J'aurai fait quelques véhicules, je pense. Et aussi, dernier truc qui ne fait pas partie de l'épisode, mais je vous le montre quand même, ça peut être une méthode pour certaines. Donc voilà, donc là vous pouvez apercevoir une douche. Oula. Donc ok. J'active un levier. De l'eau sort, je le désactive forcément, il n'y en a plus. Et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que, regardez. Déjà là, il y a de la redstone. Là où sort la redstone, c'est là où il y a le levier. Du coup, donc voilà. La redstone monte et ça amène à un piston. Le truc qui sort du piston tient un bloc qui fait que l'eau ne se propage pas à l'intérieur. Donc en gros, dès que j'active le levier, le truc re-rentre dans le piston avec le bloc évidemment. Et donc le bloc qui empêchait l'eau de y aller sort. Et du coup, il y a de l'eau. Mais du coup, quand je le désactive, ça remet le bloc et il n'y a plus d'eau. Donc voilà, je trouve ça vraiment un méga, méga. Je trouve ça méga bien. J'adore cette petite technique. Ben voilà, donc c'était le dernier truc. Peut-être pour certains, ça va aider. Ouais, ça va aider peut-être pour certains. Donc, ben c'est la fin de cette vidéo. Ben c'est ouais, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se quitte avec ce temps de merde. Allez, ciao!